Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer ceci, comment créer une créature visqueuse avec Blender, créature visqueuse animable. Donc, la création de cette créature, de cette espèce de créature visqueuse et mutante que vous pouvez voir, est contrairement à ce qu'on peut penser très très facile à réaliser avec Blender. Il suffit de 2 à 3 minutes pour la créer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire immédiatement. Bon, ça prendra bien sûr plus de 2-3 minutes puisque j'expliquerai chaque étape de la création. Donc, nous allons commencer avec une nouvelle scène dans Blender. Donc, nous allons démarrer, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on voit la créature visqueuse, par le cube auquel nous allons rajouter un modifieur de type subdivision, ici subdivision surface. Nous pouvons ajouter ce modifieur à partir de, en cliquant sur la clé à molette, add modifier subdivision surface, mais il est beaucoup plus facile de créer ce modificateur en français, modifier en anglais, avec le raccourci clavier contrôle puis un chiffre. Alors attention, c'est pas un chiffre du pavé numérique, puisque les chiffres du pavé numérique permettent de changer de vue. Donc vous pouvez le voir ici, là j'appuie sur le 5 du pavé numérique pour passer, pour changer de vue sur le 6, le 9 du pavé numérique. Il faut appuyer sur les chiffres qui se trouvent au-dessus des lettres du clavier. Donc contrôle plus un chiffre au-dessus des lettres du clavier. Donc contrôle plus un chiffre de 1 à 5. Et ce chiffre sera le niveau de subdivision du cube. Donc par exemple, nous allons faire shift 3. Et ainsi nous voyons que nous avons ajouté un modificateur de type subdivision avec un niveau de subdivision égal à 3 dans la fenêtre 3D. Nous allons changer cette valeur. Donc au niveau du rendu, nous allons passer bon, remarque, peu importe pour cette animation. Vous pouvez changer cette valeur de rendu si vous voulez rendre l'animation. C'est-à-dire créer une animation, un rendu de l'animation, mais ici nous voulons seulement créer une animation pour l'instant dans la vue 3D. J'expliquerai dans un autre tutoriel comment créer une animation et l'exporter sur YouTube, par exemple. Donc nous allons prendre ce cube subdivisé. Nous allons appliquer cette subdivision, donc apply pour l'appliquer. Donc pardon, je vais faire vite fait un CTRL Z pour vous expliquer. La subdivision en fait est ajoutée sur le cube. Mais si nous passons en mode d'édit, si nous voulons éditer ce maillage, cet objet, nous voyons que l'objet reste un cube. C'est juste un cube avec un modificateur qui permet de donner cette forme. Si nous cliquons sur l'œil pour ne plus voir en fait ce modificateur, nous voyons que l'objet redevient un cube. Mais lorsque nous appliquons ce modifieur, il disparaît et lorsque nous passons en mode Edit, donc touche Tab du clavier, nous voyons que le maillage s'est adapté à la forge de l'objet subdivisé, à la forme, pardon, de l'objet subdivisé. Donc pour créer notre animation, nous allons aller dans Matériaux, donc nous avons créé un matériau est créé. Nous allons aller dans texture. Nous allons la première texture est déjà sélectionnée. Nous allons la décocher. Nous allons passer en type de texture. Nous allons choisir un type une texture, pardon, de type distorted, pardon, nose. Donc une texture ayant cet aspect. Et cette texture maintenant est appliquée à l'objet. Nous ne la voyons pas. Nous allons aller retourner dans Object Modifier, les modificateurs. Nous allons ajouter un nouveau modifieur. Et cette fois-ci, nous allons ajouter un modifieur de type Displace, pardon. Et cliquer ici sur le petit damier et choisir notre texture, la texture que nous avions ici. Nous pouvons d'ailleurs donner un nom à cette texture, par exemple, nous allons appeler créature gluante, par exemple. Gluante avec un A, c'est mieux. Voilà.
Nous allons repasser dans le mode modifieur. Nous allons sélectionner, cliquer sur le damier et choisir notre texture créature gluante. Nous voyons que cela a créé vraiment quelque chose d'assez assez horrible, hein, faut le dire. Une espèce de truc avec plein de pics. Hein. On pourrait s'en servir de ça pour créer une espèce de masse d'armes, mais bon, pour l'instant, ce que nous voulons créer, c'est une créature. Donc, nous allons baisser pour cela baisser la valeur de force en fait, la valeur de force du modificateur et la passer par exemple à 0,5 ou même à 0,2. Comme ceci. Donc nous voyons que l'apparence est assez carrée en fait, donc on voit bien toutes les faces de l'objet. Donc pour pallier à cela, nous allons rajouter un nouveau modifieur de type subdivision en faisant le même raccourci clavier que précédemment, donc CTRL 3, en mettant bien le pointeur de la souris dans la vue 3D. Et ainsi, nous voyons que nous avons un rendu beaucoup plus détaillé. Pour améliorer le rendu et effacer ces petites facettes, enfin, tous les moins les masquer, un peu artificiellement, nous allons cliquer sur Smooth, et ainsi, nous avons une forme lissée. Nous allons maintenant retourner dans le mode texture, et je vais vous expliquer rapidement une petite particularité de Blender, une particularité de la nouvelle version de Blender à partir de la version 2.5, donc ici nous sommes à la version 2.62. Une de ces particularités est que chaque paramètre de Blender est animable et peut être animé par le biais de la timeline qui se trouve ici. Et ici nous avons dans les basics un mode de distorsion qui permet de jouer en fait sur la distorsion en fait de cette texture et de dézoomer en fait sur cette texture, enfin de la rendre plus importante. Vous voyez que lorsque nous avançons de valeur, la texture devient de plus en plus petite, et lorsque nous baissons cette valeur, la texture devient beaucoup plus, c'est comme si nous nous rapprochions en fait de la texture. Et nous voyons aussi que cela a un effet sur l'objet, vous l'avez peut-être remarqué. Cela a pour effet d'effectuer en fait des mouvements sur l'objet et donc de créer notre créature visqueuse. Pour animer, donc vous voyez que lorsque nous passons, rien qu'en cliquant sur distorsion et en passant le pointeur de la souris dessus, nous voyons que cela crée l'animation. Et pour que Blender prenne cette animation en compte et pour qu'on puisse voir l'animation en fait se répéter dans la vue 3D, il suffit d'agir sur la timeline. Donc nous allons pour cela paramétrer la timeline. Donc par exemple nous allons passer en 50 images, donc une animation assez courte. Nous allons mettre le pointeur de la souris sur distorsion et appuyer sur I. Ainsi nous avons créé. Donc ici je vais déplacer le curseur vert en cliquant gauche, sur la timeline. Nous voyons ici que cela a créé un trait jaune. Ce trait jaune indique le début de l'animation et indique une première image clé. Cette première image clé qui sera l'image de l'objet dans cette position. Nous allons maintenant cliquer sur la dernière image. Et nous allons, par exemple, mettre une valeur de distorsion ici, elle est de 1,12, nous allons la passer à 3, par exemple. Et créer une nouvelle image en laissant le pointeur de la souris sur distorsion et en appuyant sur I. Nous voyons que nous avons créé une nouvelle image à la fin. Donc, ici, nous avons un paramètre de distorsion qui est de 1,12. Ici, nous avons un paramètre de distorsion qui est à 3. Et l'énorme avantage de Blender et de tous les logiciels de 3D par rapport à l'animation 2D dessinée traditionnelle, c'est que Blender effectue toutes les images intermédiaires. Donc toutes les images de cette image-là à cette image-là sont calculées par Blender, comme nous pouvons le voir en lançant l'animation, en faisant Alt-A ou en cliquant sur le triangle. Et nous voyons que Play Animation, donc ça lit l'animation. Et nous voyons que cela effectue
l'animation de la créature. Alors bien sûr, vous pouvez créer une valeur beaucoup plus importante de distorsion sur la fin pour rendre l'animation beaucoup plus mouvementée. Vous pouvez également utiliser cet effet pour créer des effets de vagues, bien que je vous expliquerai dans un prochain tutoriel qu'il y a des outils bien plus performants dans Blender pour créer des effets de vagues, mais cela est un exemple comme un autre. Je vous remercie d'avoir regardé ce court tutoriel sur la création d'une créature visqueuse avec Blender. Je vous retrouve demain dans un nouveau tutoriel, puisque maintenant j'effectuerai un tutoriel tous les jours sur ma chaîne YouTube et bien sûr sur ma chaîne YouTube Blender Coach et bien sûr sur mon blog blender-3d.fr.